Mais voilà. Et ben voilà, c'est con, mais j'aurais préféré les équipements sur Jidan et. Bon, tant pis, c'est de ma faute. Pas grave, je vais pas refaire, hein. J'ai pas envie de refaire, ça c'est sûr. Hein. Ah, quoique le seul équipement qui aurait été utilisable, c'est celui qu'avait Steiner. Hein. J'ai presque envie de lui prendre ça pour avoir compétence plus, mais bon. Plutôt qu'avoir HP plus 10%, je sais pas. Non, OZEF en fait. Bon, maintenant je prends les comptes parce que honnêtement, plus 10%, non, il me faut plus riche plutôt. Hein. En auto-potion, je vais acheter masse potion. Hein. Tout va bien se passer. Maintenant, il faut que j'aille à Clara. Et ça va être long, hein. La partie à Clara va être très très long, mais ça devrait quand même bien se passer, hein. Le seul truc qui me gêne, c'est que j'ai changé l'arme de Jidan juste pour pouvoir loot, mais bon courage pour la suite du live, bonne nuit à toi, beaucoup de chocobo, à bientôt, et Darvien. Et non, tu n'as pas intérêt à dormir à ton taf, hein. C'est pas une bonne idée. Hein. J'ai pas envie d'être la raison de tes insomnies au boulot. Hein. J'ai clairement pas envie d'être la raison, quoi.
200 d'XP, ça va, je me mets bien là. Je pourrais plus vite en fait. 30 de Clara. Le sable est calme. Qu'est-ce que ça cache? On verra bien, avance. Tu as raison, allons-y, dépêchez-nous, allons manger de bonnes choses. Et pense vraiment que ça... Pense vraiment qu'à bouffer, on dirait moi. C'est magnifique. Je trouve ça tellement, mais tellement magnifique. Pas que je loupe des trucs parce que là tu vois cette ville, je veux pas spoil mais en gros, enfin pour ceux qui savent, on la reverra plus après et vous allez comprendre très vite pourquoi. Ah par contre ouais, si c'est une potion par hit ça va pas le faire hein. Donc on va retirer auto-potion hein. Ça va clairement pas le faire si ça retire à chaque hit hein. Ah, mais la fourchette de l'autre là, elle fait trop mal, Kuna. What the fuck? Elle vient mettre du 400 là, comme si de rien n'était. Elle a mis du 400 comme si de rien n'était. Hein. Oh ouais, 342, tout va bien. Ah désolé, je soufflais un peu dans le micro. Je sais pas si c'est quoi le plus efficace sur ce monstre, la glace ou du coup la foudre. Bon, la glace ça a l'air plutôt bien. Ok, je l'ai one shot, tout va bien. Dommage que je gagne pas des terres. Je gagne pas des terres sur ces trucs là, c'est dommage. Ça aurait été bien plus rentable que de claquer des tentes, mais bon, d'un côté, je crois que j'ai pas trop le choix en fait. Attends, je peux rien faire là ?
censé faire quoi là? Là je m'en souviens plus moi, c'est chaud. Est-ce que je peux monter là? Ah ça voulait pas me la... Ah bah voilà, c'est bon. Ça voulait pas tout à l'heure. Hein. Attends, si je le mange. Là, je me demande, je me chope comment en fait. Par contre, la contre-attaque, elle fait mal, donc je me demande si je devrais pas juste me contenter d'utiliser la magie dessus. Hein. Ouais, je prends trop cher. En vrai, c'est bien mieux d'utiliser que Bibi pour défoncer son truc. Hein. Ouais, un peu mal. Et du coup, j'ai la trans pour rien. J'ai la trans pour rien, c'est dommage. Hein. La même PD. Hein. Ah, j'ai perdu beaucoup trop de PV pour rien quoi. Si je trouve un mug, je me régène. Potion max. Bon ça. Ah, c'est horrible ça. Ah si ils sont en mode fureur et tout et ils font pas des stops quoi. Thank you.
Bah tiens, y a un mug. Magna, cet affreux des monstres sont venus détruire la ville, ils portaient tous un chapeau pointu, je ne comprends pas, mais dans quel but, Ascension, Magna, il te faudra déménager tout de suite. Sauvegarder, je pense utiliser de tente. Hein. Quoi ces insectes? Je vais leur mettre un brasier dans la gueule, ils vont rien comprendre. En fait, ce qui est ouf, c'est que la magie dans ce jeu est assez exponentielle. C'est-à-dire que pour le double de MP utilisé, bah, t'as une magie qui fait le quadruple de dégâts. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais bon, après... Ouais, c'est que je suis under level et genre, j'ai pas assez de mana, quoi, pour vraiment pouvoir me permettre ces choses-là. Toujours pas de glacier plus, je peux pas changer de bâton, c'est dommage. Hein. Ça se fait que j'ai si peu d'XP, bah en fait c'est que j'ai pas XP du tout hein. Et mon plus gros problème c'est qu'en général j'aime bien avancer dans l'histoire et tout et XP pas. Oh, c'est complètement de ma faute quoi. Le truc c'est que je me souviens pas exactement de là où je dois aller parce que genre moi je veux aller vers les coffres et tout et j'y arrive pas. Hein. C'est par là que je dois aller ou pas, parce que moi je veux juste essayer de tout récupérer et si c'est pas par là, bah si je me retrouve à la destination, je vais le regretter, tu vois. Je vais péter un câble. Ah non, c'était par là. Faut pas que j'aille là tout de suite en fait. Non, tu repasses pas vraiment par ici en fait. Hein.
Il manque j'ai Lupin parce que ça me saoule en vrai. Hein. Genre j'ai envie de changer d'arme, j'ai pas envie de rester avec cette arme de merde. Il m'a mis quoi comme effet? Genre j'ai l'air tout triste maintenant. Ah, on dirait une crosse de hockey à l'arme de Bibi, c'est marrant. Comment je le récupère ce coffre? Je sais plus si c'est par là. Ah bah si. C'est bien chiant ça, ça arrive. Va falloir que je retire le statut en fait alors. Y'a rien qui marche. Hein. C'est dommage. Il n'y a rien qui marche. Bon, déjà, je vais récupérer le coffre. Hein. Choco légumes. Mais ouais, c'est dommage que j'ai pas XP un peu plus en fait. J'aurais pu le faire un petit peu. J'aurais pu le faire hors stream et tout, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Hein. Du coup j'avance dans l'histoire et tout mais j'ai pas le niveau requis quoi. Et FFF mine de rien c'est l'un des rares où t'es obligé de vraiment XP entre les événements et tout. Hein. Dame Freya je présume, c'est bien moi mais nous vous attendions, comment me connaissez-vous? Le souverain de Blumessia nous a demandé de vous attendre et de vous accueillir, le roi est-il sain et sauf? Compte de moi, je sais pas si ce sera mais... Je vais voir le roi, profitez-en pour vous reposer un peu, d'accord. Par ici, je vous prie. Pas trop drôle qu'elle me fasse visiter, j'en ai rien à foutre. Hein. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais je connais assez bien la ville, je pense. Hein. Enfin, non, je la connais pas du tout, en fait, mais ça changera pour moi, en fait. Et là, je sais qu'il y aura un petit peu de boss à affronter. Avec Team Taïwan, ne me rejetez pas. Ah oui, c'est vrai, vu que Bibi ressemble au mage noir, ils ont peur. Hein. Thank you.
n'y a rien à manger, il n'y a absolument rien à manger dans cette ville, miam. À Porto Jesus, ils ont la tarte au marron, miam. Ça va casser les couilles longtemps, Queen. C'est l'auberge normalement. De toute façon, ce sera toujours moins cher une auberge que de payer des putains de tentes. Parce que les Quechua, c'est pas donné, hein. Obtenir un éther. Il y a encore des trucs à obtenir. Non mais il y a Mokton. Porte une lettre à Jidan. Lettre de rubis à Jidan. Je me prépare à monter un café théâtre, mais pour l'instant il n'y a pas assez de comédiens pour jouer une pièce. Il n'y a pas quelqu'un à me présenter. Si les tantales c'était Alexandrie, il m'aiderait, mais je peut-être pas son œil. Leur sale tête sera vraiment inutilisable en scène. Oh mon dieu. Je vais quand même save au cas où. Après, tu vois, ce qui est bien avec les auberges et tout, c'est que ça te soigne, ça te retire tous les effets néfastes et tout. Donc c'est cool. Hein. On est bien physique les gens. Hein. Je le vérifie avant un petit moment. Il y a Bibi qui essaie encore de se défendre. Champignons. Ok, qu'est-ce qu'elle a trouvé, les champignons? Ah, elle va les bouffer. Elle a bien vérifié qu'il n'y avait personne pour pouvoir les tester. Hein. Même pas sûr qu'elle les teste, mais bon. Là, on va vers... C'est pas maintenant que je dois y aller. Moi, je quitte tout ce qui est là, il faut que j'essaie de récupérer un maximum de trucs. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, vous l'entendrez plus avant un moment, hein, dans tout cas, donc. Pas si mal que ça si vous la retenez. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Ouais, puis j'ai fait le tour. Oui, Bibi, hein. J'essaie de récupérer Bibi, mais je sais pas où il est.
Oh le pauvre, il est traumatisé. Mais non, je veux pas redormir. Putain, arrête de dilapider mes sous, l'aubergiste. Non, on m'a dilapidé mes sous. Hein. Il y a malheureusement pas de marchand de... Pas de marchand d'armes. Je suis toujours niveau 13. Motherfucking niveau 13. Pas l'autorisation de laisser passer. Oh mon dieu, je vais devoir aller à l'auberge. Ah ouais, t'as emmené qui à Disneyland, Sonato hein. Venez vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Combien c'est en parler là enfin. Ah bah voilà, en fin de l'action. Il faut faire quelque chose pour calmer ce monstre, je vais avertir mon grand-père. Ouais, il y a justement ce qu'on va devoir faire tard, hein, Battlestar. Je parlais du fait qu'on au niveau du fourmilon on va devoir affronter un monstre. Eh bien, c'est maintenant. C'est là, attendez, il y a un truc là. Je récupérais les trésors avant. Toujours. C'est bon, on va l'affronter. Mais c'est... Bah oui, c'est Puck. Mais là, ça fait un bail. Mais quel con, ce Puck. Allez, c'est bon, c'est le moment de l'affronter. Du haut de notre niveau 13, c'est magnifique d'être au niveau 13. Ah, il est vraiment moche ce monstre, c'est ouf. Hein. J'ai pas la bonne arme, mais bon, c'est pas grave. Bah juste me slow non. Je voulais un désembrouille. Hein. Non pas l'extrait du désembrouille. Magie plus et après c'est fini quoi, les monstres qui tombent comme des mouchoirs. D'accord. Hein. T'as vu notre jet, c'est abusé, c'est fini d'un coup. Hein.
la détruit avant son sirocco, mais ouais. Je te jure, je suis choquée. J'ai fait deux fois glace plus et adieu quoi. Le mec il a disparu. Alors que je suis que niveau 13. Mais bon. Et toujours le même garnement. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'entends dire qu'il a eu une soirée un mois avant de venir, ça va encore. Mais l'un comme l'autre, vous êtes revenus alors que j'avais besoin de vous. J'en suis reconnaissant. Madame Freya nous a impressionné à son en renforçant la tempête qui elle en faisant la tempête. Il me reste bien sûr. Franchement. Magnifique. C'est ouf quand même parce que ce genre de scène ça me fait trop penser au monde de Zelda et tout avec Nero etc. Quand il y a les danses, les chants et tout. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Alors, bon, sinon ce serait trop facile. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi j'aime beaucoup, beaucoup FF9. Hein. Les faces vous me le paierez, n'oubliez pas que c'est terrible d'être trahi par la reine Branette. Il s'agit sûrement d'avoir entendu. Vous n'êtes que des bouffons, je vous interdis de me tutoyer. Ne tutoie pas en disant que nous tombons en temps. Hein? J'ai pour le diamant. Bon bah ma coloc est passée diamant. GG à elle. Hein? Lol. Tu l'as défoncé?
Oh merde. Monte, dit GG. Enfin, ceux qui sont encore réveillés, quoi, qui ont la force d'écrire sur le chat, parce que tu vois, moi je suis en mode patate aussi. Hein. Ouais, lui aussi. Il ne faut pas faire attendre sa majesté. Okay. Moi aussi, je devrais m'appeler ma majesté Ayuni, là. Ça serait parfait. Hein. Ouais. Le souverain Zip. Bon souverain. Je répondrai à toutes tes questions. On dit que vous avez détruit Blumsey et Résidence 7 et tu voulais me demander. Mais c'est faux, Ghana. Ce sont les rats de Blumsey qui ont voulu détruire. Bien sûr que j'ose dire que ma mère ment. Oh merde! Attendez, il y a le micro-ondes, les gens. Deux secondes. T'inquiète, t'inquiète. Laisse, t'inquiète. Ouais. Comment? Ouais. T'inquiète. Bon, les gens, là, il y a le micro-ondes. Je dois attendre parce que sinon, on va lancer trop de données et après, le stream va cut à cause du micro-ondes. Je suis en wifi, hein. Ouais, t'inquiète. J'ai envie de me faire un bon jeu, je sais pas quoi me faire. Je sais pas. Ouais, je pourrais me faire des pâtes. Ou des nouilles. Hein. On est quel jour aujourd'hui, les gens, s'il vous plaît? Parce que le samedi soir, je dois sortir et on est vendredi. Non, ça va, on est vendredi. On est vendredi. Hein. Ça va. Je suis rassuré. Ouais, c'est la bouteille qui brouille les micros, sérieux? La bouilloire? Bizarre quand même, la bouilloire. Je dois me lever pour le boulot dans ma minute. Oh mon dieu, Mug! Mais t'as pas dormi? Ou tu t'es levé très très tôt? C'est bon? Ok. T'as pas dormi, Mug, ou tu viens juste de te lever? Enfin, ou tu t'es levé tôt? Enfin, tôt. Tard plutôt, hein. Ouais, je sais que ça fait des interférences, mais bon. Tu es en maladie depuis 3 mois. Ah ouais, courage. Ça va mieux maintenant? Ben, prince au blanc destrié. Une belle princesse. On se rencontre un effet du destin. C'est vrai qu'il avait un côté mélodramatique ou déjà. Et voilà. Et c'est là qu'on apprend que Grenade est chimère. Putain de cérémonie un petit peu. C'est assez spécial quand même. Hein. Esprit guerrier des ténèbres. C'est là que t'étais effrayée. Pourquoi la tempête s'est-elle arrêtée d'après toi? J'étais déjà surprise qu'à toi, alors je sais pas. Vraiment pas pourquoi elle s'est arrêtée. Tu n'en sais rien. Cette tempête a soufflé sans détention pendant près de 500 ans. C'est encore à cause de Branès.
Surtout au type qui était avec elle. Qu'est-il exactement? Rien, ne fais pas attention. Didon, je vais descendre pour essayer de comprendre pourquoi elle tente de s'arrêter. Ça tombe bien, c'est ce que je venais de faire. On perdra moins de temps à discuter. Je vais chercher Bibi et Quina. On se retrouve à l'entrée de la villa. Bon, j'ai pas lu ce que je devais faire avec Freya, mais... Oh, ça fait un peu. Je vais aller parler au roi et puis voilà. Ah, j'ai une émeraude. Une gemme. Azurex. Je sais pas si je pourrais récupérer le... Non, je peux pas le récupérer le cristal. Quand même récupère un maximum de loot. Hein. Il faisait quoi là? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais j'arrête pas de dépenser de l'argent dans cette auberge, la merde. Et où se prend un spec, là? Et à Stilkins. Lettre à Mogna. Depuis que la tempête de sable a cessé, il n'y a plus juste mon tapis. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai un mauvais pressentiment. On va sauvegarder quand même. Bah, y a plus rien normalement. Je crois que je vais vraiment fouiller la ville de fond en comble pour ne rien louper. Et là, je vais pouvoir partir. New Puck. Lui, il trouve le moyen de me dire que ce... Le sable est bon, quoi, mais c'est quoi ce personnage? Je sais pas s'il y avait pas un autre truc ici, genre... Bon, j'ai vraiment tout fait, je pense. Hein. Être assez rapide de redescendre de toute façon. Vu que j'ai récupéré tous les coffres aussi. Hein. Ah bah ouais. Ouais, Quina, c'est une femelle. Ah, des fois je dis, je fais pas gaffe. Hein. Ah, mais. Ah, d'accord, c'est bon, elle tombe vite. Hein. J'ai cru qu'elle avait pas tombé. Hein.
Non, non, je vais essayer de l'appeler au féminin, j'ai juste un peu de mal, quoi. C'est tout, quoi. Bizarrement, tu vois, pour Naru et Ori, j'avais, pour moi, c'était des femmes, alors que... Bon, je sais pas pourquoi. Mais Quina, j'ai du mal à me dire que c'est une femme, alors que c'est une femme. Bon, détruit d'Amazon. Hello, what bar? Yeah, I'm a French kid, I'm 12 years old, and this is why I sound like a female. You know? And I cannot sleep actually because I don't want to sleep, I just want to keep playing. Oh, yeah, I'm just joking. And I don't speak Spanish. Ouais, pourquoi? J'aurais pu dire, juste dire âme 3, mais c'est tout, mais bon. J'avais envie de préciser. Pourquoi j'ai fait une erreur? Aïe, Puck. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, Mog. Yeah, I knew what you said because I had some Spanish lessons when I was in middle school and high school. I think I took like maybe 5 years of Spanish and I still know some stuff, but I won't be able to talk in Spanish with you, you know, have a conversation in Spanish. Not my thing, because I didn't study well. Maybe I should have, but I prefer English and Chinese. Mais t'inquiète, Mug, hein, c'est rien, hein, je continue de parler en français pour toi. Hein. Bien sûr. Hein. Terminate. C'est sérieux, Mog. Anyway, I hope you will still enjoy the stream, even if it's in French. I mean, the game is in French, and I'm talking French mainly because I'm French, and also because of my audience. So. Comment ça, t'es bien une fille, toi? Ah, t'es une fille bien. Oh merde, j'ai inversé les mots. Ah, je suis KO, mec. Ouais, ouais, patate. La patate, c'est mon chat. Bon, allez, faut que je démine vite. Why should I vote no? Instead of kill them all.
Putain, de vous masser assez, c'était plus en plus. Mais en plus, c'est plus de mots. Ah, d'accord, merde, j'avais mal lu. Hein. Oups! Oh mon dieu, j'ai tellement merdé. Hein. C'était pas là que je devais les envoyer, mais bon, tant pis. Hein. Je vais tuer des prêtres, les gens, je devrais avoir honte! Dans tous les cas, il serait quand même mort. Hein. I only speak two languages. Oh, it's fine. No, as long as you know English, it's fine for everyone. Because it's an easy language to learn for most of the common people. And once you know how to speak in English, how to talk in English with people, how to have a conversation, you don't need to learn other language. I mean, it's very hard to learn other language if you cannot practice it, and the only language you can practice it is English, actually. So yeah, just stick to English, it's cool. Comment? Did you just use Google Translate? I think you just did. I know you did it. You can't lie to me. It's okay to be a foreigner, there's no problem for that, about that. Shit. Bah adieu hein. Mais je voulais pas tuer la famille, elle est revenue. C'est pas de ma faute, elle est revenue d'elle-même sur eux. Attends, tu vas pas me dire que c'est de ma faute, Mock Jaune.
He just said that I killed a whole family. That it's my fault. But it's not. She chose to suicide on them. Genre c'est de ma faute, vas-y explique-moi en quoi c'est de ma faute. Genre vraiment j'ai vraiment fait de la merde mec. Fallait que je les fasse aller à gauche hein. Ok Snado, t'as bien dormi? No, not your fault, mine. J'ai pas dormi encore. Mais je vais pas tarder, je vais finir Clara avant. Ah, tu vas bientôt dormir, d'accord. Oh, je suis pas douée, hein. Je vais encore tuer quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que partout où je vais, je tue, quoi. Ah oui, c'est vrai que t'es québécois, Kesnado. Yeah, I know, I thought you were cheating. It's okay. Et le voilà. It's okay, you can learn with us. Non, j'ai coupé Akem parce que je suis en mode patate et j'ai pas envie qu'on me regarde comme ça. Je ne te connais pas, mais je suis content de te voir. Bah oui. Just go easy with you, okay? Don't try too much. Après votre départ, j'ai quitté Blue Messia pour aller à votre recherche. Vous aviez déjà traversé tant de rivières et franchi tant de montagnes. Dans quel royaume étiez-vous arrivé, Maître Fratley? Traversé 1000 rivières et franchi 1000 montagnes pour vérifier des rumeurs racontant votre victoire sur tel ou tel champion. Mais même ainsi, je n'ai pu vous retrouver. Quant à la dernière rumeur vous concernant, je veux l'oublier. Rien. Pour moi, la première fois que nous nous rencontrons. Que dites-vous? Pardonnez-moi, mais je n'ai aucun souvenir de vous. Cette plaisanterie n'est pas amusante. Êtes-vous en train de me dire que vous m'avez oublié, moi, Freya? C'est moi, Freya, Freya de Blue Messia. Pardonnez-moi, c'est impossible. Comment ça, tu la connais pas? C'est Freya, celle que t'aimes. Essaie de te souvenir, fais un effort. Quelque chose au moins. Putain, ça suffit. Comment ça, ça suffit? Que t'aimes et que t'as cherché partout, et là. Fratley, souvenez-vous de moi là où je suis le roi de Blue Messia. Ne me souviens de rien. Auriez-vous donc tout de vous? Mais alors pourquoi êtes-vous venu à Clara? Ne serait-ce pas parce que vous saviez que nos frères de Clara étaient en danger? Yes, it is, Wattpar. Oublier means forget. Je vais vous expliquer. Prince Puck.
J'ai retrouvé Fratley en parcourant le monde. D'abord, il ne m'a pas reconnu. Il savait même plus qui il était. Et quand il a su qu'on était attaqué, qu'on avait attaqué Blue Monsieur et que Clara était en danger, ses derniers souvenirs de Chevalier Dragon l'ont rappelé ici. Dragon. Oui, j'étais un Chevalier Dragon. Pour ce dont je me suis. On dirait que tu vas t'endormir sur le son de ta voix. Non, je vais pas m'endormir sur le son de ma voix, mais j'aime bien faire un peu de narration. Permettez-moi de me retirer. Et honnêtement, c'est hyper chill. Hein. Freya, tu veux pas le suivre? C'est inutile. Maître Fravelet est vivant, mais je ne suis pas plus heureuse. Excuse-moi, Freya, je ne voulais pas que tu le revoies, mais il fallait sauver Clara. De rien, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher Fratley. Salut. Qu'attends, il y a si longtemps que nous sommes. En tout cas, son père, il arrive pas à le garder, quoi. Et quelle heure chez moi? Il est 6h du matin. Il est temps de redresser la situation. En tout cas, c'est vachement triste pour Freya, quoi. Oh bah voilà, elle est là, vite. Épargnez au bon moment ma vie, misérable rat. Vous n'êtes pas digne de posséder cette perle. À la pierre, maintenant qu'elle est à moi, plus rien ne me retient ici. Ouais, j'ai joué toute la nuit, hein. Ça fait quoi? Ça fait 10 heures que je stream. Hein. Comme ça, moi j'avais envie. Hein. Après, je donne la lettre à Céline. Je sais pas s'il y a encore des trucs. Oups. Mais... Faut garder quand même. Bon, après, ça a l'air de bien arranger les Québécois. Hein. what about. Where do you come from? I wanna know. Because it's 6 a.m. in France and I don't know if you are from Europe or maybe from North America or maybe South America. T'as bien dit que j'avais peur. Aurais-tu oublié votre défaite de Blue Monsieur? Comment tu vas regretter de ne pas nous avoir acheté? Je te pardonnerai pas non plus. Tu n'auras pas de super gâteau au sable doux de Clara Miam. Ok. Where do you live? Central. Ok. Elle a combien de PV, hein? Dis-moi. J'ai volé Thor, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Je volais un René, mais il y a encore forcément des trucs à voler quoi. Vol raté, il y a encore un truc. Hein. Qu'est-ce que t'as planté hein? Ouais bah vu ma chance, je ne parlerai pas que tu vois. Et à combien de PV? Parce que là je vais déjà retirer 1200. Hein.
500. J'ai encore raté le vol. Oh, j'en ai marre. Et ça me saoule. Bon bah chouette. J'ai eu que tort en fait. C'est tout. Hein. Mage noir, nous avons. Que nous voulions retirer en nous. On va le prendre ce truc, attends. Hein. On va les prendre ces portails. Y'a pas d'air pour l'apéro, Quesnado, tu devrais le savoir quand même. Je sais pas ce que c'est. C'est censé être un marteau, je crois. J'avais compris qu'il faisait une blague, Snato, t'inquiète pas. Ouais, je sais que je perds Kuna, mais je m'en fous de la perdre, elle. Tu sais, elle est bien au début, mais sans la magie chimérique, Rana n'est qu'une fillette. Rana ne peut plus invoquer des chimères, seule cette H-Espace est capable d'en invoquer. Avec H-Espace, on saura si ce que disait Kuja est vrai ou non. Allez, Odin, montre-moi ta force. Ta force! Mon dieu, c'est horrible! Elle est tellement horrible cette reine, mais comment ils ont pu faire une reine aussi dégueu, quoi? Genre, ça n'a aucun sens! Genre, je veux bien qu'elle ait un air austère ou je ne sais quoi, ou sévère ou autre, mais là, elle fait bouffonne, quoi, mais c'est pas possible. Par contre, Odin, il a vraiment la classe. Hein. Odin est vraiment, vraiment, vraiment trop classe. Bon, après, c'est pas pour les bonnes raisons, mais c'est pas grave. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on reverra plus jamais Clara, les gens. Adieu, Clara. Oui, c'est c'est pour ça que ça fait partie de mes FF préférés, quoi. Simplement parce que parce qu'ils ont pas hésité à faire des trucs comme ça dans le scénario, quoi. En fait, j'aime pas les jeux où ils ont des où ils se restreignent en fait sur des trucs, quoi, tu vois. Mais voilà. Jidan t'appelle. Moi, tu m'as laissé tranquille un moment. Mais oui, clairement, Oda était badass. Il y a quelqu'un en nous cachant par là. Chut, un bon combat et sa majesté a tout pour notre retour.
D'un côté, elles sont légitimes, les crises existentielles de Beat. Est-ce que je ne vaux pas mieux que ces machines sans âme? Je ne vaux donc pas mieux que ce traître de Seigneur. Il paraît que Branit est à bord. Je pense pas qu'elle soit à bord, mais bon. Ouais, c'est sûr qu'elle va se rebeller. Encore heureux qu'elle se rebelle, hein, parce que franchement... Je n'aimerais pas ce perso s'il se rebellait bien un minimum. Hein. J'adore la musique. Ah bah c'est Brané. J'ai réussi à récupérer. J'ai eu la part que j'ai eu l'honneur de chercher pour vous. Tu me retiens de la coupe de la reine, mais ça n'a aucun sens. Encore une perle. Un mot pour me remercier de mes efforts. Pour moi, vite la dernière perle. Une fois que j'aurai arraché toutes les chimères de son corps, je n'aurai plus besoin d'elle. Je voulais vous dire, elle sera exécutée pour le vol de la perle. Mais majesté, c'est moi qui décide Peltre de ses affaires. Mais c'est totalement normal, hein. C'est sa mère qui m'avait exécuté. Hein. Il y a un mob là. Où le mob? Attends, je l'ai vu moi. Où est-ce qu'il est le mob? Attends, c'est chelou, j'ai vu un mob, on est d'accord. Cette lettre, Clara n'existera peut-être plus d'ici bas. Je suis avec Steelskin, c'est midi. Pour moi qui me suis déjà sorti de tas de problèmes, deux ou trois accidents selon ne me disent rien. Mais... Ok les gens, on va s'arrêter là. Comme ça, dans le prochain épisode, on sera justement à Alexandrie dans le château. Hein. Et voilà, là on est sur la route rouge et tout, et on va s'arrêter là. Ok, merci d'avoir suivi le stream, tout le monde, ça me fait super plaisir, on avance bien dans FF9. Je sais pas à quel CD on est, mais je fais pas trop gaffe à ça. Je pense que c'est encore le CD1. Et à mon avis, il me semble que c'est à partir du CD2 que ça devient plus intéressant et qu'on a accès au Chocobo et tout. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi je vous dis à demain et puis à demain je pense. Passez tous une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit et tout. À bientôt. Et merci encore pour tous les follows.